Mes parents étaient des gens, très simple, on était une famille de 10. Hein. Puis mon jumeau et moi, nous étions les 9e et 10e. Et mon père était cultivateur, ma mère était une femme à la maison. C'était des gens très simples. Honnêtement, là. Et j'ai perdu mon père alors j'avais 8 ans et demi. C'était comme une épreuve dont je me rappelle encore très précisément. Et puis, c'est notre mère qui a continué à nous aider. On a été, pour nos études, on a été aidés financièrement par des gens qui payaient pour nous autres. On était une famille pauvre. Et puis, c'est ça. Et ma mère a vécu quand même longtemps. Elle est décédée en 1986. Elle avait 2 semaines avant son 93e anniversaire de naissance. Ma famille était catholique, on peut dire, comme les gens de ce temps-là, à peu près. Tu sais, la messe du dimanche, quand on pouvait y aller, là, on était quand même en campagne, là, à 3,5 miles, là, à plus de 5 km de l'église comme telle, de sorte qu'on ne pouvait pas tous monter dans le même véhicule pour aller à la messe. Mais on est allé à la tour de rôle, je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça que ça s'est passé. Moi, je suis devenu oblat, donc j'ai décidé comme devenir prêtre à l'âge de 17 ans. Je ne vais pas dire que l'idée n'était pas venue avant ça, mais quand même, ça s'est réalisé comme d'une manière plus concrète. Et puis, moi, j'ai un jumeau. Et ça, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire dans la vie. Et ça a été à l'occasion d'une retraite fermée à Hull que l'un et l'autre, on a appris que c'était notre projet d'avenir. Personnellement, j'aurais voulu être rédemptoriste, parce qu'il y avait un rédemptoriste qui venait à la paroisse Saint-Grégoire de Buckingham, Saint-Grégoire de Naziance. Et puis, il m'impressionnait, mais étant donné qu'à Hull, on était chez les Oblats, on a décidé de nous orienter tous les deux de ce côté-là. Je n'ai jamais regretté de toute façon. Les Oblats, j'ai appris à les connaître peu à peu. J'ai trouvé que c'est une communauté très, très accueillante et très, très portée vers des ministères qui m'intéressaient. T'sais, c'est sûr que j'aurais pu aller en mission ailleurs, mais c'est pas un domaine qui m'attirait premièrement. Je voulais rester dans le milieu et je voulais rester plus spécialement en paroisse. Et même si j'ai été appelé à faire d'autres choses dans ma vie, entre autres, le ministère auprès des jeunes. J'ai comme, à 17 ans, il me reste des études à faire, là. 12e année, 2 années de cours classique. Et je suis entré au noviciat en 57. Une année de noviciat, 3 années de philosophie, une année de stage à Rouyn-Noranda pour moi, et ensuite 4 années de théologie. Et c'est au cours de cette 4e année que j'ai été ordonné le 26 décembre 1965 à la paroisse de mon baptême, Saint-Grégoire de Naziance à Buckingham. Et ma première obédience, c'était pour le séminaire de Chambly. Un petit séminaire qu'on avait encore, mais c'était l'année des grands changements, à peu près. Là. Alors que ça, on a fermé tout de suite l'année suivante, en 1967. Après 67, j'étais 2 ans à Ottawa avec des étudiants en pastoral vocationnel, ni plus ni moins. Et après ça, j'ai demandé d'aller en paroisse. La paroisse, pour moi, c'était un lieu de travail. Là. J'allais un an à Grand Bay, que j'avais beaucoup aimé. Et puis après ça, on m'a envoyé à Rouyn-Noranda, où j'étais de 70 à 83. Là-dedans, j'ai étudié un petit peu, j'ai fait de la pastorale familiale, j'avais été vicaire, j'étais curé 5 ans. En 1983, j'ai été envoyé à Hull.
la paroisse Notre-Dame de Lille, là, pour un an. Et disons que c'était pas un milieu, c'est un milieu correct, mais le contexte de travail n'était pas satisfaisant pour moi. De sorte que je suis parti pour Chambly, une maison de pastorale pour la jeunesse, où j'étais jusqu'en 1989, mais je suis revenu en paroisse, à la paroisse Sainte-Bernadette à Montréal, comme curé. J'étais 6 ans, et puis après ça, c'est là que je suis arrivé à Maniwaki. En 1995, Maniwaki, c'était une belle paroisse. Moi, je la connaissais un petit peu parce que mon frère Gilles, mon jumeau, a été vicaire et curé ici. Donc, je venais assez régulièrement. Donc, ça me faisait commenter dans le milieu. De sorte que quand on m'a demandé de venir ici en 1995, bien, pour moi, c'était pas une grande épreuve. Là, au contraire, c'est sûr que je partais d'un milieu à Montréal que j'aimais beaucoup. Une grande ville, c'est vrai, mais j'ai toujours apprécié les milieux un peu plus restreints aussi, malgré tout. Tu sais, j'étais comme dans le diocèse de Rouyn-Noranda, ici, ça ressemble beaucoup. Et puis la paroisse, mais enfin, c'est un milieu qui a porté les Oblats durant 164 ans maintenant, alors c'est sorte que, tu sais, notre arrivée était comme bienvenue. Puis, on se sentait vraiment accueilli, compris. On entrait comme curé dans une tradition, ni plus ni moins. C'est ce qui fait une bonne affaire, dans le sens que, tu sais, on apprend des autres ici en arrivant. T'sais. On n'est pas comme laissé à nous-mêmes. Et ceux qui avaient encore quelqu'un, j'avais encore un vicaire à ce moment-là. Et puis, il y avait les Oblats aussi qui étaient du côté des Indiens. Et donc, ça, qu'on formait une petite communauté ici. Et puis, pour la paroisse, mais il y avait une grande continuité qui se poursuivait.